Ankucho. President, please be seated. Ong chunu jumre pakah mto ke jumra kan di tepi samakang in session. Doi dal ong jumre ban jumre chun namnang as the kapiki kapri prak mai hai ha mon nam dal vitika. Informer les parties ce matin. Before the chamber gives the floor to Judge Avant Lavergne to resume his questioning, donne la parole au juge Lavergne pour qu'il reprenne on the witness son interrogatoire. To TCW 918, the chamber will 918, give la chambre va donner team to la make the responses parole à la, aux équipes de défense pour leur réplique to document D'inclure des rapports d'interview sur le traitement des guettements. Concernant cette question, le juriste Horklast a informé les parties dans un email du 12 novembre 2015 que si les parties souhaitent respond to the request by the international co-prosecutor. The parties are allowed to make oral submission de faire des observations on the 1st of December 2015. Le 1er décembre 2015. In the same email, et the senior legal email, officer states Horklast that if a indiqué que si d'autres parties do not ne wish souhaitent pas to make the responses. Répondre. They shall inform elles the chamber by 20 la chambre avant le 20 novembre 2015. No et aucune partie said that they a indiqué do not wish to make the response. Ne pas répondre. That is why the chamber will allow the floor to the parties va donner to la parole respond aux parties pour répondre à la demande des coprocureurs. Before the chamber avant giving gives the floor to chambre the defense team to make the responses. The chamber will hand over the floor to the international deputy co-prosecutor to make a brief background co-procureur international pour nous fournir un peu du contexte sur cette demande. Vous avez donc la parole. Thank you, Mr. President. I'll merci, be very brief, Monsieur le Président. Je serai très bref on my opening remarks, par rapport à mes observations liminaires. Je pense que la motion est assez claire. And is the same, same type of motion we've c'est le même made type de motion que nous avons faite par rapport à d'autres témoignages qui ont this été communiqués group is a group of, d'autres dossiers en instruction. Il s'agit ici de 25 interviews primarily qui to the ont trait of the CHAM. Au traitement some of them des are CHAM. Trial witnesses, certains are sont not des témoins, d'autres interviews sont des personnes qui ne sont pas des témoins. Annex, both the mais of nous avons the documents trouvé and the la pertinence of the dans les annexes. In terms of 87.4, as stated in our motion, et comme nous avons dit par rapport à la règle 87.4, ce sont des documents evidence that arose after the start of trial. More importantly, as the trial chamber ont été présentés après rulings, le début du it's procès. The date of authorization mais by, il s'agit de la date d'autorisation co-investigating judge in this case, du co-juge d'instruction qui s'applique. C'est là quand and les preuves deviennent accessibles. Dates in 2015, et tous ces documents when the documents ont été were autorisés authorized, en 2015 by the international par co-investigating judge le to be disclosed. Co-juge d'instruction international. Donc, je vais répondre bien sûr aux points qui sont soulevés. Mais voici donc le contexte global de notre requête. President, thank you. Merci. Do you have anything to address the chamber? And Antaguise, avez-vous des observations à faire? Oui, Monsieur le Président, d'un commun accord avec yes, mon confrère en copé. In agreement si vous en êtes d'accord, je vais commencer. If you would agree with us, I would start. President,
Thank you. Le président, merci. What about et call it lawyers qu'en est-il des co-avocats principaux pour les parties civiles? Avez-vous l'intention de make submission on the faire des observations par rapport au, by the international court prosecutor à la requête document du co-procureur international par rapport au document E319-32. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Messieurs les juges. Do not les have any co-avocats principaux n'ont pas d'objection par rapport à la requête présentée par le co-procureur international. The en ce qui concerne les documents qui sont demandés, effectivement, ces documents sont liés au traitement des Vietnamiens. Les documents ont été placés on case file 002 au dossier with the authorization avec l'autorisation des co-juges d'instruction. Donc nous n'avons aucune objection et donc nous allons demander à la Chambre consider and decide on the request. De se prononcer sur la requête. Now, le Président, je vais maintenant donner la parole aux équipes de défense exprimé par la défense de Kieu Samphan. The defense team for Mr. Kieu Samphan will start first before the defense l'équipe team de défense de Kieu Samphan commencera. So you have now donc the floor. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Au sujet donc de ces 25 nouveaux PV de témoins que le co-procureur international sollicite, dont plutôt le co-procureur international sollicite le versement en preuve, je vais d'abord commencer par les trois documents auxquels nous ne nous opposons pas, en vous expliquant pourquoi. Je vais, pour des facilités de référencement, utiliser l'annexe des coprocureurs E319-32.1 en prenant le numéro des tableaux. Donc nous ne nous opposons pas au document numéro 4 du tableau et pour cause, c'est un document qui a déjà été versé en preuve et il porte le numéro E3-9350. Nous ne nous opposons pas non plus au numéro 2 du tableau, document E319-24.3.3, puisqu'il s'agit d'un PV d'un témoin ayant déjà comparu. Et c'est le témoin TCW-950. Nous ne nous opposons pas non plus au numéro 19 du tableau, document E319-19.3.95, puisqu'il s'agit d'un témoin qui est cité à comparaître bientôt. Donc, dans la logique de notre opposition depuis le départ, lorsque des témoins ont comparu ou vont comparaître, leurs déclarations antérieures doivent être admises devant la Chambre. Pour le reste, en revanche, c'est-à-dire les 22 autres PV, la défense de Kieu Samphan s'oppose à l'admission en preuve, pour diverses raisons, mais notamment sur les textes, évidemment, de la règle 87, que ce soit sur le fondement de la règle 87.4 ou le fondement de la règle 87.3, parce que nous considérons que les conditions de ces règles ne sont pas remplies. Je rappelle, parce que c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu avec la masse de 87.4 et la masse de documents que l'on veut faire entrer en preuve venant d'autres instructions, c'est que la règle 87.4 est censée être une règle exceptionnel. C'est une admission en cours de procédure, c'est-à-dire des admissions en preuve qui interviennent au stade du procès alors qu'il y a une instruction, ça doit être exceptionnel. 87.4, d'abord, il faut que les documents dont il est demandé le versement soient utiles à la manifestation de la vérité. En l'occurrence, on vous demande de verser en preuve des déclarations écrites au lieu de témoignages oraux.
auquel la Chambre, par définition, n'est supposée n'accorder qu'une très faible valeur probante. Pourquoi ? Bah parce que les personnes ne sont pas à l'audience et ne sont pas confrontées aux interrogatoires des parties, et notamment de la défense. Et puis deuxièmement, dans ce cas précis particulier, c'est d'autant plus problématique sur la valeur probante que nous n'avons même pas, comme ça a pu être le cas pour notre procédure d'instruction, nous n'avons même pas les enregistrements audio. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas contrôler le contenu de ces déclarations comme nous avons pu le faire par le passé dans le cadre de notre instruction. Ces PV de 3 et 4 ne sont pas enregistrés de façon audio. Ensuite, c'est peut-être un point qui est peut-être le plus important, la motivation de la demande par les coprocureurs internationaux est particulièrement ténue. En gros, on nous dit que ce sont des documents pertinents sur le segment des CHAM. Ce n'est pas suffisant dans le cadre de l'application de l'article de la règle 87.4. Dans le cadre de la règle 87.4, et là je rappelle votre jurisprudence, notamment votre mémo E131-1, page 4, l'avant-dernier paragraphe, également votre mémo E118-4, page 3, également avant-dernier paragraphe, où vous avez rappelé que la partie requérante doit démontrer que l'admission tardive en preuve en cours des procès doit être... On doit démontrer que l'admission est essentielle ou capitale dans l'intérêt de la justice. Ce n'est pas le cas en l'espèce. On vous demande 22 déclarations écrites au lieu et place de témoignages oraux avec, encore une fois, une valeur probante limitée pour les raisons que j'ai rappelées plus haut. Et ces déclarations ne sont ni essentielles ni capitales dans l'intérêt de la justice. Une autre raison pour laquelle nous nous opposons à ces déclarations est le manque de diligence des coprocureurs en la matière. Vous avez rappelé dans un mémo E319-30-1 au paragraphe 3, c'était le 15 septembre 2015, qu'elle attendait des parties, je cite, qu'elle fasse preuve de toute la diligence voulue et qu'elle lui adresse dans un délai raisonnable toute demande visant à l'admission de nouveaux documents et notamment dès que possible après qu'elles ont connaissance des pièces qu'elles souhaitent voir déclarer recevables en tant qu'éléments de preuve. C'est un rappel que vous aviez fait sur la règle et ça me paraît logique. Or, la demande des coprocureurs sur l'admission de nouveaux éléments de preuve sur le segment des CHAM est intervenue 3 semaines après le début de la comparution des témoins sur le segment des CHAM. C'est à ce moment-là que C'est à ce moment-là que le coprocureur international a soumis cette demande, le segment avait déjà commencé. On ne peut pas dire qu'il y a eu toute cette diligence sur cette seule raison, leur demande devrait être écartée. Mais au-delà de ça, le manque de diligence se retrouve également sur la teneur même et les témoins même dont aujourd'hui on vous explique que les déclarations seraient tellement importantes qu'il faudrait à ce stade du procès les accueillir. Alors qu'au moins, je vais prendre 3 exemples, pour 3 cas, les coprocureurs connaissaient bien avant le début du procès l'existence des témoins dont ils considèrent qu'ils sont aujourd'hui si importants. Je prends un exemple très précis. Il s'agit du témoin de TCW 987. Le coprocureur nous demande l'admission du PV de ce témoin. Je rappelle que, pour mémoire, que nous nous sommes déjà opposés, c'était lorsque la Chambre Proprio Mutu voulait faire comparaître ce témoin. Nous nous sommes opposés à la comparution de ce témoin dans nos écritures E364. Mais en tout état de cause, en ce qui concerne la demande des coprocureurs, nous dire aujourd'hui que ce témoin serait découvert dans le cadre des instructions 3 ou 4
ça ne tient pas, puisque au moins depuis 2008, les coprocureurs connaissaient son existence. Et là, je renvoie à des documents qui sont issus des bureaux des coprocureurs eux-mêmes, à savoir les documents E3-7827 et E3-5302, des entretiens qui ont été menés donc par le bureau des coprocureurs en août 2008 et dans lesquels il y avait déjà mention de ce témoin de TCW 987, donc avec la possibilité d'avoir des éléments sur comment retrouver ce témoin, comment l'interroger s'ils l'avaient jugé nécessaire à l'époque. Ils ne l'ont pas fait. Donc j'ai du mal à comprendre comment aujourd'hui, en 2015, on vient nous dire que c'est tellement important qu'il faut les verser en preuve. Je rappelle également la récente décision de la chambre E363-3 au paragraphe 29, dans lequel la chambre souligne que normalement toute partie qui demande le versement en preuve de nouveaux éléments, et là en l'occurrence elle parlait des coprocureurs, devait démontrer, je cite, que les éléments de preuve visés n'aurait pas pu être découvert malgré l'exercice d'une diligence raisonnable. Là, pour reprendre l'exemple particulier de TCW 987, dans la mesure où cette personne a été mentionnée plusieurs fois dans le cadre d'entretiens menés par le bureau des coprocureurs, je ne vois pas comment on peut nous expliquer qu'il y a eu l'exercice d'une diligence raisonnable. Donc sur ce seul point, nous estimons que la demande des coprocureurs doit être rejetée. Un autre exemple, je mets en parallèle que nous maintenons évidemment toutes les objections autres que nous avions mentionnées dans nos écritures E364. Un autre exemple qui démontre que les coprocureurs ont manqué de diligence, c'est pour le PV d'une audition de partie civile, document E319-19.3.203. Là encore, c'était une partie civile dont le PV aurait pu être disponible dans le cadre de l'instruction 002 si les coprocureurs avaient jugé que son témoignage était si important, la constitution de partie civile figurait au dossier de l'instruction, ils auraient pu tout à fait demander au juge d'instruction d'auditionner cette partie civile, comme ça a pu être le cas pour d'autres témoins ou d'autres parties civiles. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, dire que son témoignage serait tellement important qu'il faudrait utiliser sa déclaration dans une autre instruction ne tient pas non plus la route. Ils avaient la connaissance de son existence bien avant. Sa déclaration de partie civile existait dans le procès 002. S'ils avaient jugé que c'était si important, ils auraient pu, dans le cadre de demande d'acte, faire une demande dans l'instruction dans laquelle M. Quessampan était parti. Ils ne l'ont pas fait. La demande est tardive. Ils ont manqué de diligence. Un troisième exemple, enfin, pour illustrer ce manque de diligence, même chose que pour la partie civile précédente, dans le document, la constitution de partie civile E3-8667 existait dans le dossier auparavant. Si les coprocureurs avaient jugé que ces déclarations étaient si importantes et qu'ils avaient voulu l'entendre dans le cadre de l'instruction, ils auraient pu le faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont manqué de diligence. Nous dire aujourd'hui que c'est tellement capital qu'il faudrait utiliser des déclarations dans une autre instruction pour qu'elles soient versées au dossier est une demande tardive et nous demandons qu'elle soit rejetée. Je rappelle à nouveau votre mémo E3-63-3 au paragraphe 30. Vous avez rappelé que ce n'était qu'à titre exceptionnel
que les éléments de preuve qui ne répondaient pas aux critères des règles 87.4 pouvaient être admis. Dans les conditions actuelles et juste ce que j'ai rappelé, nous ne sommes pas dans le caractère exceptionnel que vous avez énoncé dans cette décision. Enfin, sur un certain nombre de ces déclarations, nous sommes dans le cadre du caractère répétitif tel qu'énoncé dans la règle 87.3. C'est le cas notamment des... sur le principe, on nous dit qu'il faut absolument verser ces PV sur le traitement des CHAM. Or, nous avons des témoins, un certain nombre de témoins, ils sont nombreux, qui ont témoigné sur le traitement réservé aux CHAM. Nous avons, a priori, encore d'autres témoins qui doivent venir. Je ne vois pas en quoi ces documents seraient essentiels pour le cadre de ce procès à ce stade-ci. Et c'est répétitif. C'est également répétitif sur un certain nombre de sujets, notamment sur les mariages forcés ou sur les purges à l'arrivée des cadres de la zone sud-ouest. Là encore, on essaye de charger la mule, c'est une expression en français, et à ce stade-ci, je peux vous dire que nous estimons qu'il y a eu un manque de diligence, que c'est répétitif et que ce n'est donc pas utile de verser en preuve ces éléments. Enfin, il y a ce qui concerne les témoins. Donc là, il s'agit des numéros sur le tableau des coprocureurs sur l'annexe E319-32.1. Les numéros 13, 16 et 11 et 12, si on considère témoin que j'ai évoqué en premier, on nous demande de verser par anticipation des PV d'audience, des buffets d'audition, pardon, de témoins dont la comparution serait éventuellement envisagée, mais sur lesquels la Chambre n'a pas encore tranché. Dans ces conditions, nous estimons que c'est une demande qui est prématurée. Si ces témoins devaient être appelés par la Chambre, dans ces cas-là, évidemment, comme logique que nous sommes avec notre opposition, évidemment, nous ne nous opposerions pas au versement en preuve de ces déclarations. Mais tant que la décision n'est pas tranchée, et tant que nous ne sommes pas sûrs que ces personnes viendront devant cette chambre, eh bien nous nous opposons au versement en preuve de ces documents. Voilà les courtes observations que j'avais à faire à ce stade, en rappelant encore une fois qu'il ne faut pas oublier que la règle 87.4, la règle 87.4 est une règle à utiliser de façon exceptionnelle. C'est une exception. Et là, j'ai l'impression que ça devient plutôt une habitude du côté de l'accusation. Et je pense qu'il est nécessaire de mettre le haut là. Et c'est pourquoi nous demandons à la Chambre de rejeter l'application. President, thank you. Le Président, merci. Nous allons maintenant donner la parole à l'équipe de défense de Nunchia, si vous voulez répondre. Monsieur le Président, nous n'avons rien à ajouter parce que c'était très complet. J'aimerais vous rappeler cependant que nous avons une motion en attente par rapport à six témoins liés au traitement des CHAM. Il s'agit de E-70. Nous avons déposé cette motion le 29 septembre et nous attendons toujours une réponse. Soon you will, et j'espère que bientôt vous allez vous prononcer là-dessus et que vous allez effectivement considérer la question que nous avons soulevée. Je vous remercie. Le Président, you may proceed now, international deputy. Vous avez la parole, coprocureur international. Thank you, Mr. Merci, President. Monsieur le Président. I'll do my best to respond. Je vais essayer de répondre au mieux. There was a lot of document numbers being going by quite quickly there, so some of them I may not have accurately recorded. Et peut-être certains numéros ne sont pas. Let me do my best that I can here. Proprement. First of all, I would note. It is correct that since we filed this motion, one of these statements was admitted because it was a document that had been requested by the defense. Un des témoignages a été admis. That
again, this happens quite often here. There are many documents that have information that we consider to be of importance to the court and the defense considers to be of importance ainsi que la défense. There were others that were not objected to because they were trial witnesses or selected trial witnesses. I'm not sure why counsel is distinguishing the witness entre and I don't know if I got the number right, témoins, to TCW 987, but I believe they're referring there to the witness who's, we have two statements for here, un témoin pour lequel 11, nous avons deux statements 11 and 12 is a witness that was selected to respond by the trial chamber to appear, qui a été, so it would certainly seem to me that those statements donc, should be admitted pursuant to the logic of counsel. Si nous suivons la logique, the conseil, arguments about the weight and probative value et la are arguments just that go to that. They are not arguments that go to admissibility. This court has set out very clear rules based on international precedent about sur la the weight and use that may be made of statements of witnesses who do not appear. So this is not an argument that goes to the issue ici. Of admissibility. Ce n'est pas une question d'admissibilité. The issue of some of the standards cited by counsel, there was some fast and loose arguments being made here that merged and confused the rules that have been set by this court. And what I mean by that is that counsel was citing to some standards that have been announced by this court where the requirements of 87.4 are not met. Seulement and quand les in cases where 87.4 is not satisfied, documents dans ce can be still be admitted that are on exceptional basis that relate to documents already on the case file. And that was the standards that counsel was citing. Those standards have no application here because these documents clearly, under any interpretation of 87.4, meet the criteria. There is no question about that. Les exigences de la règle 87, that these are documents clair. That il y a aucune came into existence que ce sont after des the start sont, of the trial. Nous ont été, and that is another après le début du distinction procès. That was being donc, ignored in counsel's argument. Ça, c'est encore there's a difference between dans, knowing of the du existence conseil. Of a witness entre la connaissance and de having d'un témoin a new statement from that witness. L'obtention d'un, the issue d'un nouveau here témoignage in terms of admissibility of statements témoin, is, la question has, sur has been set by your honors. It is not the fact that we knew a witness existed before. C'est pas le fait que nous savions qu'un témoin there existait are many avant. Witnesses il y a beaucoup who de témoins qui existent. Mais the issue la, is when did this particular statement become available to case 002? And your honors accessible. Have made very clear in le collège the recent decision that counsel a expliqué très clairement cited dans repeatedly. La décision que le conseil a mentionné and I'm talking here about E363/3, your 22 October 2015 decision, du 15 octobre and referring to footnote 64. 2015, et je fais référence this is a footnote in the section about what documents are considered to be when they're considered to be available, and this is what you rule. Sont considérés comme disponibles. Quote, et ceci, ceci, evidence et from la décision the confidential qui a été investigations in cases 003 and 004 is unavailable for dans the purposes of Rule 87.4 until the office of the co-investigating judges authorizes the co-prosecutors to provide it to the parties in case 002/02. Under your own rules, selon vos propres these documents règles, did not become available until authorized for disclosure, which were que at various dates. The earliest I'm looking at qu'ils aient été my autorisés. Computer here, April or May, là, others in August, and some later than et later than that. Et quelques-uns même plus tard. So under donc, the terms of 87.4, there's de la disposition de la règle 87, il n'y a aucun problème they've par argued ça. Diligence as well. Ils ont, let me just say this. La diligence. The chamber established a deadline in this very decision for when we had to file 87.4 motions donc, for statements that had been disclosed prior to September
les témoignages qui ont été communiqués avant le mois de septembre. Vous nous avez dit que nous pouvions faire cela jusqu'au 30 janvier 2016. Et cette motion a été déposée bien avant que cette décision ait été produite. Donc, je dirais qu'il n'y a aucun problème de diligence ici. Le conseil suggère que... A witness's name. Parce que I think le nom she was referring here to the witness that Your Honor selected sua sponte. This is a person whose name came up. D'une personne dont le nom est apparu. This is a person whose name came up during a preliminary investigation. Une instruction préliminaire. It was not someone that we were able to locate and que interview nous avons pu ourselves. Localiser et interviewer and it was nous-mêmes. Only in the course of the investigating judge's investigation l'instruction that this person que cette was located personne and interviewed. A été localisée et questionnée. This person donc, gave two interviews. If you read a fourni the first deux one, interviews. Si vous lisez la première, it was a very short interview, interview that had to do with a security office and not about the CHAM. Pas au the CHAM. Second interview et is the one where the witness, dans lequel the recent one, is where this witness was interviewed récente, about the CHAM. And had probable là, things to say about that. Le témoin parlait des CHAM et that avait is des why your honors probantes à dire là-dessus. Et c'est pour cela selected this person. Que le collège a sélectionné cette personne. We included both et la raison pour laquelle nous avons inclus les deux témoignages sous la règle 87.4 parce que c'était une personne qui a été so sélectionnée par le collège. Statement, et même is in our motion, it is in there because le témoignage of the fact you selected précédent this witness. N'est pas tout à fait pertinent. Il en fait partie parce que ce témoin a été sélectionné. So that is clear. Mais je veux juste vous dire que dans la première interview, il n'y a aucune mention des CHAM. The repetitive et nature of evidence. We have the burden of proof, a very high burden of proof. Nous avons le fardeau de la we preuve. We have defense teams who are actively challenging us on every single issue here and at the appellate stage. We all know et that these witness statements are used primarily for corroborative purposes pour for witnesses who do not end up appearing. Chose. That is a legitimate use of evidence. C'est une utilisation and, légitime des preuves. Evidence, là, these statements should not be rejected. Ces témoignages ne devraient pas être rejetés comme étant répétitifs. Where a prosecution has a burden of proving things parce que beyond nous avons a reasonable le fardeau de la preuve. Doubt, and corroborative evidence et can assist that because we all know that you cannot hear every single witness peuvent, who has knowledge about these thèse. Matters. So donc, I've done my best to je pense que respond j'ai to fait de mon mieux pour répondre the documents I was able to keep notes of. If you have any aux questions, points I'm soulevés happy par les documents respond. Qui ont été mentionnés. Si vous avez des questions. Thank you. And case upon defense is given the floor merci. Again to a response to the reply by the international deputy co-prosecutor. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas très longue. Simplement, sur le témoin TCW 987, à ce que je sache, il n'y a pas encore de décision de la Chambre suite à nos écritures E-364. Donc, Monsieur le Co-procureur indique un peu rapidement que vous avez sélectionné. Pour le moment, nous sommes toujours en attente d'une décision. Donc, ce n'est pas encore le cas. Donc, je maintiens mes arguments sur ce point. En ce qui concerne la réponse sur le fait que je ne peux pas je ne pourrais pas arguer de la tardivité ou du manque de diligence au motif que certaines déclarations n'étaient pas disponibles avant, même si les coprocureurs en connaissaient l'existence. Là, je suis obligée d'aller au cœur de nos protestations de ces derniers mois, de ces dernières semaines, à savoir que ce que je vois, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les coprocureurs utilisent les investigations l'instruction dans 03 et 004 pour compléter les enquêtes qu'ils n'ont pas demandées ou les points sur lesquels ils n'ont pas insisté dans le cadre de l'affaire 02. Et j'estime encore, et je souligne encore, et je répéterai jusqu'à plus soif, que ce n'est pas une manière de procéder, ou sans doute le cadre d'un procès. La règle 87.4, c'est simplement sur des choses exceptionnelles, et non pas pour compenser des choses qui n'auraient pas été faites dans le cadre d'une première instruction. Le Président.
Thank you for all comments and observations made by the parties in response to the International Co-Prosecutor's submission, that is document E 319/32. The Chamber will use all your comments and observations as grounds for our decision. La Chambre utilisera toutes ces observations pour déterminer cette décision. Avant de laisser la parole au juge Laverne, j'aimerais auparavant to inform Mr. Copper, that is in relation to your document E370 to request an additional witness. De faire comparaître the chamber is deliberating. La chambre est en cours de your request and a decision will be issued as soon as possible. That is before we proceed with the facts in hand. Reprendre sur les faits qui nous occupent. I'd like now to hand the floor to Judge Lavin to put further questions to the witness. You may proceed, Judge Lavin. Monsieur le juge. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le témoin. Je vais essayer de reprendre le fil de cet interrogatoire. Je voudrais que nous revenions sur la liste des personnes à arrêter qui vous avait été montré. Et vous aviez indiqué que cette liste vous a été montrée par Tarin, qui avait remplacé Taval. Et vous aviez indiqué qu'il y avait 100 noms de personnes à arrêter. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, qui avait donné cette liste à Tarin? Regarding the list of names, I did not know who actually delivered it through Tarin. Qui l'a donné à Tarin. And the names on the list were several, but it was not up to 100 names. Mais ce n'était pas 100 noms. Again, let me repeat that I did not know who delivered that list of names. A remis la liste. Si je lis votre audition qui figure à la cote E3/9567, à l'ERN en anglais 0-10-44-770, Khmer 0-10-03-843, vous dites qu'il y a 100 noms de personnes et vous dites que vous suspectez que c'est Tachil qui l'a fourni à Tarin. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Does this refresh your memory, witness? Yes, that was my suspicion. Effectivement, c'était ce que je supposais. Suspicion. Mais c'était une supposition. The reality. Ce n'était pas une réalité. I did not know who delivered the list of names qui avait remis la liste à Tarin. And it was my thinking that it was Tachil who did that. Que c'était Tachil. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux personnes qui étaient mentionnées sur cette liste? Est-ce qu'elles ont été arrêtées et qu'est-ce qui leur est arrivé? I also did not know who actually went to conduct the arrest. Je ne sais pas qui a exécuté ces arrestations. Some were aware of their fate, so they had escaped from their units. Though I did not know where they had fled to. Je ne sais pas où ils sont allés. Et ceux qui ont été arrêtés, que leur est-il arrivé? What happened to them? Ils
I did not know how the arrests were conducted. Was that some people whose names were on the list had escaped, and I did not know about the process of searching for them and made arrests. Comment ils ont fait pour les retrouver, s'ils sont parvenus à les retrouver ou les arrêter. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Je vais vous la reposer. Qu'est-il arrivé aux personnes qui, effectivement, ont été arrêtées? Those who were indeed arrested, what happened to them? Ceux qui ont été arrêtés and put onto the vehicle while I was present there. Alors que j'étais là. I did not know what happened to them later on or whether they were sent to be killed. Je ne sais pas s'ils ont été what I saw was that they were arrested and put on the vehicle and the vehicle drove off. Et ce véhicule est parti. Est-ce que sur la liste que vous avez eu, dont vous avez eu connaissance, il y avait le nom de personnes que vous connaissiez? Et est-ce que par la suite vous avez revu ces personnes? Je ne m'en souviens pas. What I can recall is a few names who were from my village. Je peux me souvenir du nom de quelques personnes qui étaient dans mon village. And the three men whose names I knew actually disappeared from that day. Ont disparu à partir de ce jour-là. Donc, vous nous dites que trois personnes que vous connaissiez ont disparu. Three people you knew had disappeared. Elles n'ont jamais réapparu. They never reappeared. Vous avez également indiqué, c'est dans votre audition E3-9567 que sur cette liste figurait également le nom d'un de vos jeunes cousins. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Et quel était le nom de ce cousin? Mentioned those names, j'ai and that I only knew three names. One was my cousin noms. By the name l'un of Ötzi. Mon cousin, il s'appelait Ötzi. And the other two men, et les deux autres I hommes, do not recall their family names. Je ne me souviens pas de one leur was nom Vot, de famille. And the other l'un one Vot, was Sre. Et l'autre s'appelait Sre. And for the three men, I have not heard from them since the arrival of the Vietnamese. Trois hommes depuis l'arrivée des Vietnamiens. Vous avez par ailleurs indiqué qu'un autre de vos cousins avait été détenu au centre de sécurité de Phnom Troyong. Est-ce qu'il s'agit de la même personne ou est-ce qu'il s'agit d'un autre cousin? Regarding the detainee at Trayong Mountain was another cousin by the name of Tung Sơn. Il s'appelait Tung Sơn, c'était un autre cousin. And when the Vietnamese arrived, I saw him returning to the village, living with his wife and children. Vivre avec sa femme et ses enfants. And later on, he passed away after one of his children et ensuite, got married. Il est décédé après qu'un de ses enfants se soit marié. Avant l'arrivée des Vietnamiens, vous avez dit, monsieur, dans votre audition que vous étiez allé le voir sur place, au centre de sécurité de Phnom Troyong. Est-ce exact? Est-ce que vous confirmez cela? Do you confirm that statement?
That information is correct. C'est exact. I did meet him. Je l'ai vu. Pourquoi vous êtes-vous rendu au centre de sécurité? Est-ce que c'était spécialement pour le voir ou y avait-il d'autres raisons pour que vous rendiez là-bas au centre de sécurité? The security center was located along the road leading to my fishing unit. So I went there to seek to meet my cousin, Tong Se. And I wanted to know what happened to him, whether he was cuff or chained. Je voulais voir s'il était and indeed, I met him there. En menottes. Et en effet, however, je l'ai vu. He was not a chain, mais the handcuff. He was ordered to break a rock. On lui avait donné l'ordre de casser at that center. Dans ce centre. Vous avez également dit dans votre audition que vous aviez, vous alliez fréquemment rendre visite à vos parents qui étaient à la coopérative. Donc doit-on comprendre que, à la différence des autres travailleurs, vous pouviez vous déplacer librement, ou bien est-ce que vous aviez à chaque fois à demander des autorisations pour vous déplacer? For my journeys, it depended on the nature. There were three locations where my office had staff. One was at Stamkombot and Okrobai, and that was near where my parents et lived. Proche de là où vivaient mes parents. Another location, Kinsbow was not in the direction of leading to the house of my parents. N'était pas and dans there la direction was de la maison de mes parents. Another road, as I stated earlier, route, leading to a location qui near the Troyong Security Center. Près du centre de sécurité de usually, la montagne de Troyong. I used these three routes c'était to go ces trois to routes my que j'empruntais unit. Pour me rendre à mon unité. Et est-ce que vous êtes au courant de l'existence d'autres centres de sécurité ou est-ce que vous avez entendu parler de sites comme ceux de Chamkardong ou Chamkardong? Non, I never saw it. Je ne les ai jamais vus. Only after the arrival of the Vietnamese, I heard a song playing over a loudspeaker. Que l'on mettait sur haut-parleur. And the song was sung about this Chamkaknao. On parlait de Chamkaknao. Je voudrais qu'on revienne un petit peu plus sur le site de chantier de Trapintma. Est-ce que vous pouvez nous dire si, à votre connaissance, il arrivait que des travailleurs disparaissent du chantier. Et notamment, est-ce qu'il arrivait que l'on demande à certains travailleurs d'aller suivre une formation ou d'aller aider au transport de marchandises et ces travailleurs ne réapparaissaient plus? Est-ce que cela arrivait? While I was working there at the Trapintma work site, nothing happened. Il ne s'est jamais rien passé. And after I left, I could après not départ, tell you whether anything happened s'il y a over eu there. De tels événements, s'il s'est passé quelque chose là-bas. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient chargées d'espionner les travailleurs? Was there anyone tasked with spying on the workers? Non, there wasn't. Non. Est-ce que selon vous, les travailleurs pouvaient craindre pour leur sécurité? Did workers fear for their safety? Non, comme un bandeng.
I could not tell you about their minds, je whether ne they were concerned ce about their safety. Je ne sais pas s'ils avaient peur pour leur sécurité. Although I met those workers in my unit, I did not know about their feeling. Même and si I could je not connaissais say mes about travailleurs, other je ne connaissais pas leurs sentiments et je ne saurais vous parler des travailleurs dans d'autres unités. Est-ce qu'à votre connaissance, les conditions de travail, les conditions d'existence sur le chantier de Trapintma ont changé après l'arrivée des cadres du Sud-Ouest? After the arrival of the Southwest après group, l'arrivée du groupe du Sud-Ouest, I was at the fishing unit. However, once in a while, I returned to the dam work site with the fish supply. But I could not tell you about the situation je there. Je saurais vous parler de la situation qui y prévalait. What I saw was that the people working at the economic section did the same food and fish distribution. Faisaient de la distribution de nourriture et de poissons. Ce matin, on vous a posé des questions par rapport au témoignage du témoin de TCW 996. C'est le témoin qui avait indiqué que vous auriez assisté à une réunion avec Taval. Ce témoin, ce même témoin a été entendu et dans un de ses procès-verbaux d'audition, le procès-verbal E3-9076, lorsqu'on l'interroge sur les conditions de travail dans son unité par rapport aux autres unités qui travaillaient à Trapintma, il a dit ceci. Et je vais citer en anglais puisque le document n'existe pas en français. They were difficult. Even my unit also still had a hard time. We labored every day without holiday and feared to take a rest if we got an illness. We had enough rice. But we were lacking food. Mais nous manquions de nourriture. We had labor like animals. Nous devions travailler comme des animaux. We didn't know when we might be arrested or killed. Quand on allait we could not nous ensure nous that nous we were safe. Et nous ne pouvions pas être certains d'être en sécurité. Plus tard, lors de l'audience du, lors d'une audience ultérieure, lors de son témoignage ici, à la barre, il a dit ceci, je fais ici référence au fait que nous ne savions pas quand nous allions arrêter de transporter de la terre. Tous les jours, on faisait la même chose. Quand l'on terminait un projet, on passait à un autre projet et nous ne savions jamais quand cela prendrait fin. On se servait de nous comme des bêtes de somme. Donc c'est l'audience du 27 octobre 2015 et ceci a été dit à 11h09. Alors, est-ce que cette description, monsieur, correspond à vos souvenirs? Est-ce que vous aviez la sensation que les travailleurs étaient utilisés comme des bêtes de somme? While I was there, the situation was different from what this gentleman said. And after I left, I could not tell you whether the situation worsened as he stated in his testimony. I cannot tell you about that. Et quand vous étiez présent à Trapintma, monsieur, est-ce qu'il y a des gens qui étaient malades sur le chantier? Et si oui, de quelle maladie souffraient-ils? Oui. Workers were sick from dysentery, des travailleurs qui souffraient de dysenterie, de fièvre.
But they were not starved of food. Mais ils n'étaient pas affamés. There was a problem with drinking water. Il y avait un problème avec l'eau pour boire. Problem with their bowel. Donc il leur arrivait d'avoir des problèmes intestinaux. C'est ce que j'ai vu. President, thank you. The chamber will merci. Take a la chambre short break and return at a quarter to nous reviendrons three. À 3h moins le quart. Court officer, please assist the witness at the waiting room reserved for witnesses and civil parties and invite him back with his duty counsel at 15 to 3. The court is now in recess. Suspension d'audience.